Salut à tous, Fango. On se retrouve pour l'épisode 21 sur Kingdom Come Deliverance. Alors, on est parti pour aller donner le rapport au capitaine Bernard, qui est juste là normalement. Ouais, c'est parti. Bonne journée à vous. Je me suis Alors, entretenu c'est avec Rouquin parti. et il m'a tout raconté. Eh bien, parle. Rouquin a fui parce qu'il a reconnu l'un des assaillants. Il redoutait qu'il ne revienne le faire taire. Bien lui en a pris. Ils étaient à sa recherche. Alors, qui a-t-il reconnu? Il ignore son nom. Il sait que c'est un type d'Uzis qui boite. D'accord. Puisque tu as poussé aussi loin ton enquête, autant continuer à Uzis. Et puis, nous avons assez de travail comme ça. Le seigneur Radzik t'en dira plus. Il m'a demandé de t'envoyer le voir, si ce n'est pas déjà fait. Ok. Tiens, si on demande entraînement, Pourriez-vous défense. m'apprendre à mieux me défendre au combat? Bien sûr. J'aimerais apprendre les bases. D'accord. Ouais, ok. Une autre fois peut-être. Allez, on se tire. Bon. On va rentrer en ville un petit peu. Ah, mais il est là. On va lui parler du coup. Je pensais pas qu'il Que était là, Dieu lui. vous accompagne, jeune homme. En quoi je peux vous aider? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se terrent les bandits. Magnifique. Bernard m'a déjà avisé des événements, mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, monseigneur? C'est à toi de déterminer ce qui est important. Bon, on va J'ai faire fini court. par retrouver le palefrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier d'Uzis, un boiteux. Comment s'appelle-t-il? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Les paysans aiment les ragots. Et s'il n'est pas là? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kuttenberg. Si je ne le trouve pas à Uzis, je poserai des questions. Il y aura bien quelqu'un pour le connaître. Parfait. Prends la direction d'Uzis. Trouve-moi ce bandit boiteux et soutire-lui le nom de ses acolytes. Ils doivent être présentés à la justice pour leurs crimes. Je veux les voir pendus. Amène-le-moi à Meroyed et je déciderai C'est vraiment sympa sort. quand même, hein, Bien, cette quête monseigneur. comme ça. Ça change vraiment de. Pourquoi avoir choisi Meroyed? Des autres RPG quand C'est un peu au centre de tout, non? Et en plus, il y a un autre Hara sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Bon, il y a toujours un gros chêne ou deux, de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi? Engendrer la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gênera pas quand ils viendront nous égorger. Qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine, impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans l'attente du plat. on lui a déjà dit Monseigneur, ça. J'ai des nouvelles. Bien. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant. Bien, jeune homme. Ok, bon, c'est terminé. C'était un petit. C'était bizarre qu'il nous demande ça, mais bon. Ok, partie sauvegardée, très bien. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. On a un truc à découvrir là-bas, mais je vais pas y aller. Je pense qu'on va rentrer un petit peu à Araté. On a pas mal de choses à faire encore. J'ai toutes les quêtes secondaires, là il va falloir aller là, à Uzis. On va rentrer ici. On va rentrer ici. Déposer un petit peu notre stuff, essayer d'aller vendre aussi. Ok, on se fait attaquer. C'est une blague.
Oh! Comment la flèche a pu passer à côté là, sérieux? Et là aussi, ok, super. Non mais... je vais réussir à me faire tuer là, je sens. Ok, j'en ai one shot un. J'arrive plus à esquiver, c'est incroyable. Ok, je suis mort. Je comprends pas pourquoi je ne peux plus esquiver, plus parer. C'est bizarre, pourtant normalement je fais les bonnes choses. Hein. Donc c'est étrange. En même temps, c'est très difficile dans le jeu de faire ça. Bon, moi je reviens ici, ça va. On est reparti. Par là. Hop. On va peut-être retomber sur eux. Hein. Bah, apparemment non. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je te souhaite une bonne santé, Henri. Merci. C'est qui elle? C'est Thérèse? Bourgeoise. Bah, pourquoi elle m'a dit ça? Elle me connaît? C'est vraiment dégueulasse ce qu'il y a là. Bon, je pense qu'on va avoir droit à un peu de repos quand même pour reprendre notre énergie et tout ça. Alors. On va déposer tout ça. Ouais, quoi que ça, ça prend pas de place alors. Ça prend pas de... Y a pas de poids dessus, donc je vais pouvoir le garder. Menthe, miel, ortie. Ouais, les potions. Les potions, je m'en sers pas en même temps, donc... Ouais. Peut-être que je les garde. Hein. Potion inconnue, celle-ci, je vais la laisser par contre. Augmente le camp de 5 pendant 10 minutes, ça aussi au cas où. Non, je l'ai laissé dedans. Hop, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on peut laisser d'autre? Ça par exemple, on s'en fout. Ça aussi. Ok, ça c'est pareil. Tout le reste là on va garder. Et le reste on va essayer d'aller y vendre. On va être un peu tranquille, on va se reposer. Jusqu'au matin. On va être tranquille. On va regarder un petit peu les points qu'on a débloqués aussi. Ok. Bon, vu que c'est notre lit ici, ça permet de sauvegarder, donc ça c'est top. On peut vraiment sauvegarder en fait que dans nos lits hein, au final. Ok, se lever. On va casser la croûte un peu, on a plein de pommes. Ouais, il en faut des pommes hein, pour se rassasier. J'ai bien fait de les prendre au final. Bon, comme ça, on a la save qui est là.
Il faut aller à Udis, mais avant, j'aimerais vraiment aller vendre ce que j'ai là. On va aller au château, à Raté, je pense. Ou alors, on pourra peut-être vendre à Udis. Ouais, on va aller à Udis, en fait, directement. On pourra sans doute vendre les trucs là-bas. Allez voir Thérèse. Je m'en fous un peu, en fait, de ça. On va aller à Temberg, on va rentrer un petit peu. En voyage rapide. Voyageur, c'est toujours le même qu'il y a là. Bon, on rencontre rien en chemin, tant mieux. Ah, un voyageur. J'irai bien casser la croûte. Vous n'êtes pas tout seul. Fichez-moi le camp. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Du vent, je dis. C'est un braconnier. Ah ouais, mais attends, toi, mon gars. Alors, attendez. Vous avez failli me tuer. Fichez-moi le camp où ça va mal se passer. Je vais le tuer, lui. Voilà. Ça t'a calmé un petit peu? Oh, on lui a mis la flèche dans la bouche. Oula, il est en ragdoll. Il est en ragdoll. Alors. Qu'est-ce que t'as sur toi, toi, mon petit gars? Ouh, il a un bel arc, hein. Les braconniers, j'aime pas ça. Oh, ça je veux. Ça je veux, il a plein de viande. Il a un bel arc aussi, on va le prendre. On va prendre son corps également. C'est pas très propre à l'entrée de la ville comme ça. Je vais le balancer un petit peu là, qu'il pourrisse. Dans la forêt. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, il a tué plein d'animaux. C'est un braconnier, j'aime pas ça moi les braconniers, donc il a pris sa flèche. Hein. Bon. Temberg, c'est parti. Vraiment beau ici. Faire un petit screen. Est-ce qu'il y a des choses à découvrir un petit peu par là? Peut-être. Tiens, ça faisait pas ça avant, j'ai l'impression, quand on zoomait sur les villes. Alors, on va aller voir un petit peu par là. D'expiation, ok, on s'en fout complètement. Boutique, faut qu'on aille à la boutique. J'aimerais découvrir juste tout ce qui est un petit peu autour. Ah, lieu de pêche, tiens. Sympa ça. C'est leur décharge en fait, ça. Ouais, c'est vraiment dégueulasse hein, les poubelles. Formateur de quête quand même. Hein. Va falloir que j'y aille là, je pense. Hein. Ouais, c'est un gîte ici. Martha, on va lui parler, tiens. Est-ce que c'est elle peut-être? Peut-être qu'on peut leur vendre des trucs, remarque. Richesse du commerçant. C'est pas top, hein. Ils sont pas très riches là, mais bon.
Ça semble assez logique. Alors, marchander. Je crois qu'il me reste les coupes en or aussi, ou je crois qu'il me reste d'autres. D'accord. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Ouais, non, j'ai pas d'intérêt, ils sont pas assez riches. On va parler à l'aubergiste. Portez-vous bien. Ah. Comment se portent les villageois de Thalberg? Tout va bien? Vous vous sentez vraiment obligé de poser la question? Ouh, c'est pas très aimable, lui. C'est de Scalice, pas vrai? C'est ça, c'est bien vous. Eh bien, à votre place, j'irai voir les villageois de Rovna. J'ai des clients de là-bas qui viennent parfois et ils ne m'ont pas l'air radieux. Ah, autre chose. Un maçon m'a raconté qu'il y avait du grabuge à la carrière. J'espère que ça ne va pas les faire partir, ce sont de bons clients. Faut dire que leur travail, ça donne soif. Pourvu que le seigneur Divish et son maître de carrière finissent par arranger les choses. Bon. Il a parlé de Rovna et de la carrière. Je sais pas si ça nous a mis des... donné des quêtes ou des points. Forgeron, campement. Ok, bon, on va essayer d'aller à la boutique là. Ah, maintenant les grilles sont ouvertes, ça fait plaisir. Alors, où est la boutique? Elle est là. Ça va être toujours le même gars, mais lui, il a pas de thunes, lui. Votava, il a pas de thunes, il me semble. Les hommages? On peut faire affaire, si vous avez l'argent. Ouais, il a pas beaucoup de thunes, lui. Par contre, il y a une carte au trésor quand même. Ça pourrait être marrant, tiens, d'en prendre une. Vous savez quoi, je vais la prendre. Il a plus de crochet par contre. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre? Peut-être celui-là, coupe en argent. Il doit avoir assez de thunes pour ça. Et si on parlait un peu du... Eh bien. On va proposer ça. Tenez. Avec un petit quelque chose en prime. Ouais, je lui ai donné plus en fait. Ah, merci beaucoup. Bon, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Carte au trésor. Alors, voyons voir ça, tiens. J'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Lire. D'accord. Voilà un truc qu'on fera par la suite. En fait, quand on marchande et qu'on achète des trucs et qu'on vend aussi, il faut aller vers le bas au final, je pense. C'est pas grave. Bon, c'est parti pour Levchenko, hein, c'est ça? Pour la carte au trésor, ça doit être par là alors. Hein. C'est vrai que je pourrais aller voir un petit peu Levchenko, voir ce qu'il s'y trouve, mais bon, rien ne nous y emmène. On va aller à. Hop, on va mettre un repère. Voilà. Allons-y. Au final, j'aurais pas dû marchander, j'aurais dû faire la transaction directe, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'était payer vers le bas et. Non, payer vers le haut et obtenir vers le bas. J'ai fait l'inverse, c'est pas grave. Ok, alors, on va couper par les bois. Hein.
Ça passe. Ah, je crois qu'il y a eu un bug de son sur le souffle du cheval. Je commence à avoir faim. Je l'entends, c'est un petit peu embêtant ça, tiens. Bon, le jeu a quand même pas mal de bugs, hein, encore une fois. Alors, je vais essayer de descendre peut-être. Ah, ça a l'air d'aller. T'as repris ton souffle? Ouais, c'est bon. Après, pour ma part, j'ai vraiment pas eu de bug gênant. Donc, ça c'est plutôt cool. J'avais dit que je regarderais aussi mes les compétences, on va le faire. On va prendre un petit screen aussi ici, c'est plutôt chouette. Ok, nous voici arrivés. Super. Ah, et on a aussi trouvé le Rouen Usis. Alors ça, c'est une quête qu'on a depuis très longtemps. Quête secondaire. On va avancer sur la quête principale quand même pas mal. J'ai bien envie d'aller plus loin. Sur le let's play. Ah, c'était pas là. C'était pas là. C'est vrai qu'on avait récupéré plusieurs calices, mais on se les a fait voler, enfin voler, reprendre par le garde. Attendez. Oui, non, le point A, c'est juste toute la zone. Ok. On va aller en plein centre-ville. Ça sera plus simple. À l'auberge en particulier, si on peut. Pilori. Ça, ça a l'air d'être l'auberge ici. Alors, il va falloir qu'on mange un petit peu également. Hein. Alors, on va interroger peut-être un peu les gens. Mes hommages. Je cherche quelqu'un qui vit ici, mais j'ignore comment il s'appelle. Y aurait-il un type qui boite dans le coin? Oui, il y a bien un type. Ah bah qui boite. Direct, cool. Je n'ose pas imaginer ce que vous voulez faire avec un homme dans son genre, mais ce sont vos histoires. Il vit dans une cabane aux abords du village sur la route de Neuhof. Ah, direct quoi. Je suis à la recherche du palefrenier. Où puis-je le trouver? À votre avis? À l'écurie, bien entendu. Bon, bah voilà. Aubergiste, peut lui parler de là. Que Dieu vous accompagne. Il ne se passe rien de suspect dans les parages? En fait, si. Ah. Pas plus tard qu'hier soir, Père Godwin a insulté l'herboriste Gertrude de tous les noms. Et c'est pas le genre d'homme à faire un scandale pour des broutilles. Ah, une dernière chose. Par ici, si vous saviez ce que le palefrenier Vachek a fait dans l'écurie, quand son chef nous l'a raconté, toute la taverne a failli se faire dessus de rire. Qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder un petit peu ce qu'il a, lui. Agneau cuit. Bon vin. Ok, bon, s'il y a besoin de bouffe, je peux venir là. Plein de choses à découvrir, là. On va se balader un peu. Primeur. Boutique. Allons-y. Marchand. Allez. Je vous souhaite une bonne. Parlons affaire. Cet arc a l'air de faire plus de dégâts, celui que j'ai récupéré sur le braconnier là. On va lui proposer ça. On va lui proposer. Oh, des crochets, il m'en reste que deux par contre. Ça, j'en ai 6 quand même. Ça prend quand même du poids alors.
Ouais. J'ai pas d'autres trucs à vendre. Qu'est-ce qu'il vend lui? Il n'y a pas de crochet, hein. C'est pas évident, hein. C'est la galère à trouver ça les crochets au final, hein. Pas assez d'argent. Ah, il m'embête lui. Et là, t'auras assez. Bon, voilà. J'ai pas à marchander, hein. On va pas perdre de temps avec ça. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. J'aurais bien aimé ouvrir le coffre là, mais je risque de me faire prendre ici. On va essayer d'ouvrir celui-là. Et on a gagné un niveau en crochetage, c'est top. Ouais, il n'y a que dalle dans ces coffres, c'est vraiment pour augmenter ses compétences. Ah, un greffier, tiens. On va aller voir. Faut crocheter, ouais, c'est pas la peine alors. Il y a quelque chose là-bas aussi, lieu inexploré. Il faut aller là, d'accord. Bon, on va y aller. Avant de terminer cet épisode. Ok, faut retourner tout en bas. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ça a l'air d'être là. On va faire la quête secondaire aussi ici, hein, du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est celui-là? Restez pas là, citoyen. Allez-vous-en. Y a rien à voir ici. Parce que vous appelez ça à rien à voir? Alors qu'est-ce que ce serait s'il y avait quelque chose à voir? Par les clés de Saint-Pierre, il ne manquait plus que ça. On doit en avertir le seigneur Anouche. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Qui êtes-vous? Je suis Henri de Scalis. Je sers Bernard, le capitaine d'Anouche. J'enquête sur l'attaque de Neuhof et... je pense que ce meurtre y est lié. Et moi, je suis le bailli d'Uzis. Et je ne veux pas d'ennuis de ce genre dans notre ville. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça a un rapport avec Neuhof? L'un des garçons du Hara a reconnu un villageois d'Uzis parmi les bandits. Il n'y a pas de brigands ni de meurtriers ici. Vraiment? On m'a dit qu'il boitait. Merde. Bon, permettez-moi de vous présenter... Louboche le boiteux. Ah! Ou du moins ce qu'il en reste. Le mec s'est fait découper, quoi. Ouh! Ouh, ça prend une sale tournure, hein. Sacra. Il faut toujours que ça se complique. Je vais aller jeter un œil dans les environs et poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Vous pouvez déblayer ce foutoir pour moi, j'en serai ravi. Par contre,
Je sais pas si vous pourrez trouver grand chose d'autre. Mais faites ce que vous devez faire. Il y a l'air d'avoir des gros malades hein, dans cette région. Le mec a été crucifié, éventré. Luboche le boiteux. Bon. On va poser qui des questions quand Luboche le boiteux. Un pauvre petit fermier et une crapule. Je suis pas vraiment surpris de ce qui lui est arrivé. Il se mêlait à toutes sortes de vermines. Il s'attirait toujours des ennuis, se battait tout le temps à la taverne et ce genre de choses. Pourquoi il boitait ? À cause d'une infamie ou d'une bagarre. Mais ça fait bien longtemps. Bon, on va l'interroger un petit peu, hein. Dernièrement. Je sais pas. Ces derniers jours, il est allé nulle part. Il n'est pas sorti de chez lui. Mais il avait l'habitude de garder ses distances avec les villageois. Est-ce qu'il avait des proches ou de la famille dans le village ? Non, c'était un solitaire. Je me souviens plus de la dernière fois que je l'ai vu avec quelqu'un. Est-ce que vous savez où il se trouvait pendant la nuit de l'assaut de Neuhof ? J'en ai aucune idée. Il se mêlait pas aux villageois. Alors on savait jamais s'il était absent ou enfermé chez lui. Quand avez-vous retrouvé le corps ? A-t-on remarqué quelque chose ? À l'instant même. Et personne n'a rien vu ni entendu. J'ignore comment ils ont pu l'étriper ainsi pour que personne ne l'entende hurler. Ok. On va retourner le voir parce que c'est rude, hein, quand même. Oh lolo. Tiens donc. On dirait qu'on lui a brisé le crâne. Est-ce qu'on ne l'aurait pas d'abord cogné à mort, puis seulement ensuite éventré ? Ça expliquerait pourquoi il n'a pas crié. Oh, il a vraiment ramassé, lui, hein. Et on va manger. Hop. On n'est pas spécialement très faim, mais c'est pas grave. On va fouiller un peu la cabane, là. Non, je voulais pas dormir. Je voulais inspecter. Il y avait un truc à inspecter. Alors, c'est où? C'est là. Un lit. Ah, super. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Que dalle, comme d'hab. Bon, alors. Il va falloir retourner là. Et on a la petite quête ici. Et on va faire ça, ben, ça sera pour le prochain épisode du coup. Ça me paraît bien, bien si. Ouais. Ok, bon du coup on se quitte ici pour l'épisode 21. J'espère que ça vous plaît toujours. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.